Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 16 avril. Le quintet se déroulera sur l'hippodrome de Pontchâteau. Il s'adresse aux trotteurs avec a priori plusieurs bases intéressantes au départ de cette rencontre. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le moins riche, Thiamo de Carly. Il ne faut surtout pas le condamner hâtivement sur sa récente disqualification à Laval. Auparavant, ses 4 sorties déférées des 4 pieds s'étaient soldées par autant de probants succès. Un cheval capable de prendre le train à son compte, à mon avis, dans ce lot, il est capable de les emmener très loin et pourquoi pas jusqu'au poteau d'arrivée. Numéro 1, Thiamo de Carly, mon préféré. Je lui opposerai numéro 8, Uvaro Vett, un cheval qui a longtemps été tenu écarté de la compétition suite à des problèmes de santé. Il n'a pas tardé à rattraper le temps perdu, comblant une partie de son évident retard de gain. Il affiche désormais 9 victoires et 7 places en 20 courses courues. Des bonnes stats qu'il entend bien confirmer ce mercredi à Pontchâteau. Le 4, c'est Unique de Liton qui reste sur deux plaisantes places de deuxième, preuve de sa bonne forme. Une confirmation est ici attendue. Le numéro 16, Sunday Jet, un cheval qui s'est révélé en ce début d'année. Il a collectionné 3 victoires et reste sur une deuxième place intéressante. Malgré son rendement de distance, il mérite crédit, d'autant qu'il sera déféré des 4 pieds et confié à Franck Nivard. Le 15, Utman, un cheval régulier, dur à l'effort, ménager, qui devra également très bien tenir sa partie dans ce lot. Le 12, c'est Hugo Davaroche, il n'a à mon avis pas de marge de manœuvre pour s'imposer, mais une place est largement dans ses cordes, d'autant qu'il affronte ses aînés. Le numéro 13, c'est Tornade Pilla, attention à elle, elle a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes, elle a des titres à ce niveau de compétition, son entourage s'attache aux services d'Éric Raffin, mieux vaut donc s'en méfier. Enfin le 6, Saint-James, qui lui n'aura pas la partie facile face à ses cadets, mais le sérieux de son entraînement, sa forme actuelle et ses titres l'autorisent à briguer une allocation et ce à belle cote. Résumé chiffré, à suite 4-16, ensuite le 15, le 12, le 13 et le 6. Suite du programme à Pontchâteau, dans la deuxième, je vous conseille de racheter le 209 Barry. Il avait gagné très facilement sur le pont de Laval, ensuite il a manqué ses débuts à Vincennes. Cela dit, attention à lui, c'est un cheval estimé, à mon avis ici, il devrait remettre les pendules à l'heure. C'est un cheval en retard de gain, estimé par la famille Abrivard. On lui posera son point d'entraînement, le 213. Dans cette épreuve, c'est Beach Boy, qui a également débuté victorieusement, c'était sur les programmes de Cholet, et qui ici semble en mesure de terminer sur le podium. Dans la sixième maintenant, j'aime beaucoup le 613 Unix des Forges, à mon avis sa place sur le podium, un cheval toujours présenté à bon escient par Sébastien Garato. Le cheval vient de s'imposer avec de la marge sur l'hippodrome de Strasbourg, avec Lenny Delaune qui le retrouve ici. Le tandem marche bien, le cheval devrait lutter pour la victoire. Il devra composer avec le 612, à savoir United Back, un cheval qui reste sur 2 succès convaincants. Auparavant, il avait souvent joué de malchance, un cheval en retard de gain. Le seul bémol, c'est qu'il n'est pas des plus faciles à utiliser. Il demeure un peu spécial, raison pour laquelle ce n'est pas un coup sûr dans ce lot. Il s'entend mieux, ça se passe souvent mieux avec Jean-Michel Bazir, son entraîneur au sulky. Dans cette épreuve, attention également, 611 Ultima de Carcy, c'est une bonne jument qui se plaît avec cette saison. Et elle vient de s'imposer sur le programme de Cordemais, elle devrait pouvoir confirmer dans ce lot. 613, 612, 611, a priori les 3 choix prioritaires de ce 6e rendez-vous. Dans la 7e, on reprendra le 711 Hugolin Dumaine, cela fait plusieurs fois que je vous l'indique. Le cheval reste sur 3 victoires consécutives. Le seul défaut avec lui, c'est le départ, il a tendance parfois à se précipiter. Mais s'il part sur la bonne jambe, il peut signer une 4e victoire d'affilée. Attention toutefois en tête au 707 Team à Couverderie, un cheval dur à l'effort qui aime prendre la direction des opérations. Et à mon avis, dans ce lot, on devra assister à un beau match poursuite entre le 707 Team à Couverderie qui va aller devant sans doute et le 711 Hugolin Dumaine qui en a largement la pointure de cette épreuve. Dans la 8e enfin, le 803, c'est Sabanera Bleu qui a effectué une course de rentrée victorieuse dernièrement et ce pour sa rentrée donc après 8 mois d'absence. Une jument qui est confirmée dans les tournois de ce genre, se réserver aux drivers amateurs. Ici, une confirmation est logiquement attendue. Elle est fragile certes, mais elle court toujours à bon escient et a été réservée pour cette période printanière. On retiendra également le 804, c'est Sergent de Cerisy. Lui aussi a des titres à faire valoir dans les lots de ce genre. Lui, il aime trotter aux avant-postes et pourquoi pas de bout en bout. Et à ce petit jeu-là, il peut aller loin. C'est l'opposition principale à Sabanera Bleu. 803, Sabanera Bleu et 804, Sergent de Cerisy. Course ciblée à Pontchâteau en ce mercredi. J'ai retenu la 2e, la 6e, la 7e et la 8e. Bonne journée à tous, très bon jeu et à demain.